Dans la vidéo précédente, j'avais oublié de vous parler de mes résolutions pour 2017. J'en avais déjà tenu une, voilà. Donc, petite coupe, t'as vu, voilà, petit dégradé, voilà, j'ai enlevé tout le long de ma petite tête. Ma deuxième résolution, les gars, ce serait de vous sortir une vidéo toutes les une semaine et demie à peu près. Même si là, maintenant, cet hiver, c'est le plus catastrophique que j'ai jamais vu de ma vie. Il fait super froid et tout. Aujourd'hui, les gars, pourquoi je vous propose du FIFA et que je suis pas dans mon stade habituel? Tout simplement parce qu'il fait super froid déjà. Ensuite, je suis malade, ça va peut-être pas s'entendre, mais c'est bon, ça m'a cassé les... En plus, là, les gars, c'est les derniers instants de la Totti sur FIFA. Et non, je ne parle pas de Francesco Totti, le mec qui a trompé à tout va les meufs du quartier, mais qui a jamais trompé son club. Hein, c'est même lui qui le dit. Je veux vous dire, les gars, avant de commencer cette vidéo, que ma carte bleue, elle a une indigestion, elle est devenue malade comme moi, à force de banquer, banquer, banquer. Donc du coup, on espère qu'on aura du lourd. Ça va être chaud parce que j'ai vu des youtubeurs FIFA, ils ont un touchy en moins 20 000 points FIFA, excusez-moi. Donc du coup, on espère, mais ça va être chaud. Rien que pour avoir une animation, je vais être super content et tout. Ok les gars, foutez-vous pas de ma gueule parce que j'ai des lunettes, c'est la première fois que je vous les fais montrer. Donc du coup, let's go. Regardez-moi tous ces packs pour vous faire banquer, banquer. On va ouvrir des packs à 600 parce que je vous dis, les packs à 2000, j'en ai déjà ouvert et à chaque fois je me fais niquer. Donc laisse tomber, on va ouvrir des packs à 600, je les sens mieux. Donc du coup, premier pack à 600, let's go. Pas d'animation, ok. Putain, petites étoiles, mais vous foutez de ma gueule. Putain, churle, mais va te faire foutre. Putain, de me donner un Marco Reus, là, il vient de me donner un churle. Ok, les gars, allez, on va la voir l'animation. On va la voir. Le Totti, même pas l'animation, le Totti. Enfin, l'animation avec le Totti. Ouais, bon, là, je dis de la merde. Allez, troisième pack à 600. Animation, animation, un Totti. Allez, yes, un Totti, un Totti, un Totti. Non, pas un Totti, les grosses étoiles. Mais pas un Totti. On va avoir un français. Pogba, Pogba. Voilà, les gars, yes. C'est lui, je peux pas avoir un Totti. Mais oui, c'est ça, c'est bleu. Yes, putain. Avec Santi, voilà, je l'avais senti, Cazorla, je l'avais senti, ce bon pack là, avec Santi, Cazorla, Pogba, alors là on n'est pas trop mal. Donc les gars, avant de continuer ce pack opening, je viens de vérifier en off le prix de Pogba, il coûte dans les 560 000 crédits, donc c'est limite mieux que d'avoir un Totti, genre un Piqué ou un Dani Alves, donc voilà. Ok, donc, allez, pack à 600, non, pas d'animation, j'y avais cru à l'animation. Le pack, il avait genre un peu bugué et tout. Et on a au final Carvajal. En espérant avoir du Totti. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien voir. Juste pour la beauté du geste, tu vois. Donc allez, on ouvre ce pack. Non, pas d'animation. Une grosse étoile, un boost. MDC Casemiro. Ok, Casemiro, c'est pas mal. Bon, ça doit pas valoir beaucoup à mon avis. T'as un petit boost comme ça qui fait plaisir, rien que pour la boutique. Pour une fois, franchement, j'ai de la chance. On va voir combien il vaut. Parce que je vous ai pas fait montrer le prix. Donc du coup, on va comparer son prix à lui. Ah, 35 000. 35 000. 26 000. Ah ouais, je me disais qu'il coûtait pas autant. Ouais, il doit coûter dans les peut-être 20-25 000. Casemiro, bah ça va, il a des bonnes stats. Après, la vitesse, ah ouais, ça fait quand même un peu pitié. Je vais pas vous le cacher. Mais après, il a des stats de porc. Pas prendre le risque, pas d'animation. Bon, petite étoile, allez, on skip, on se pose même pas la question, les gars. On a du Bailey, on a du Bailey, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, avec les Totti, il a dû énormément baisser au niveau du prix. Je suis en train de regarder, 6800 crédits. Allez, de l'animation, pas d'animation, fait chier. Grosse étoile, un boost, yes, AT, Gomez, Gomez, bon. 91 de vitesse, il a de bonnes stats, hein. Franchement, le petit Gomez, il a des bonnes stats, après, il doit pas valoir très cher, il doit valoir dans les, même pas 20 000 crédits, on a un petit boost, tranquillement. Ok, donc, 25, 16, oula, 16 000, ouais, bon, il vaut rien. Bon, il vaut rien, le petit Gomez, c'est pas grave. Il a l'air d'être pas mal, il joue à la Real Sociedad, un petit défenseur droit, argent rare, ça doit valoir, ça. Ah non, 1400, putain, mais chier, ça doit valoir ça. Allez, on s'en bat les couilles, on va ouvrir un pack à 2000 en espérant avoir du lourd. Destruction. Ok, putain, on doit avoir 3 boosts là. Oh, 2 boosts.
Giroud, on a eu Dost, bon ça ça vaut rien. On a eu Adouriz, ça c'est qui est pas mal, mais bon maintenant il va plus valoir cher. Lalana, ouais. Oh, troisième move, Casemiro, 3 plus son impact les gars. C'est Giroud, c'est Giroud, c'est cacophonique. Putain ma voix elle commence à partir en couille. On a eu Götze, Casemiro, Adouriz, Dost. Et Giroud, putain, mais franchement, c'est toujours pas Copenhague. Je vous l'ai pas dit dans le début de la vidéo, mais franchement, je vous le dis rarement, mais là, lâchez un putain de pouce bleu de la famille, parce que là, franchement, ça fait plaisir d'avoir des packs avec 3 boosts comme ça. Ma voix qui part en couille. Je vois déjà dans les commentaires, complot, Illuminati, tu triches, machin. Je vais vous faire montrer, voilà, tout de suite, voilà, là, j'ai un petit Casemiro que j'ai pas encore vendu, voilà, premier détenteur, vous avez vu. Je vais vous faire montrer dans mon club, voilà ce que je possède. Voilà, donc on va aller là tout de suite. Alors c'est mes joueurs en prêt. Voilà, là, il y a le Giroud, le Casemiro, le Gomez, le Dost, le Pogba, tout ce qui s'ensuit. Après j'ai vendu des petits joueurs à 84, voilà le petit Santi Cazorla. Je vous les montre, voilà, tac. Voilà, petit Casemiro premier détenteur, le Giroud premier détenteur, voilà. Surtout le Pogba les gars, voilà, qui fait zizir. Animation, non c'est pas possible, enfin c'est pas possible, encore dans un pack à 600, la grosse étoile, qu'est-ce qu'on va avoir comme drapeau espagnol, un petit de rien, oh non, David Silva, bon allez je suis super content parce que j'ai une animation que j'en ai pas souvent, David Silva, c'est pas le joueur que je vais garder, lui je vais le revendre immédiatement, je sais pas combien il vaut exactement, oh putain encore une animation dans un pack à 600, non c'est pas possible, allez, Totti, yes Totti, allez. Putain, qu'est-ce que je vais avoir? Brésilien, Dani Alves, yes. Je m'en bats les couilles, j'ai un Dani Alves. Je suis super chaud. Franchement, lâchez un gros like des familles, mais c'est pas possible. Dani Alves, 93 de général. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas compatible. Dani Alves, il va partir direct dans mon club. Allez, je m'en bats les couilles. Avec du Joao Mario, du Torres. Bon, après le reste, on s'en fout. Moi, c'est surtout le Totti qui m'intéresse. Gros pouce bleu, les gars. Lâchez-moi un big like, les familles. Oh, encore une anime. Deux grosses étoiles de malade. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le drapeau, il est français. Oh non, putain, je croyais que j'allais avoir un deuxième Pogba. Lloris, bon. Allez, franchement, c'est pas mal, Lloris. Plus Handanovic, ouais, je me disais qu'il y avait deux grosses étoiles. Ouais, Lloris, franchement, je suis preneur. Oh, elle est magnifique, le pack opening. Alors, les gars, la situation est critique parce que là, en fait, il reste moins de 20 minutes avant que les Totti se terminent. Et en fait, le truc, c'est que je vais avoir plein de packs comme ça, là, à 82. Donc, du coup, je vais les ouvrir petit à petit. Donc, du coup, on est parti pour ce premier pack. On n'a pas d'animation. On a une petite étoile, elle va te faire foutre, il va passer à la Kevin. Trap bien sûr, et c'est le petit Bandé. Oh, animation les gars, yes. On a une étoile pas trop dégueulasse, bon on fait chier, c'est pas un Totti. On tombe sur un Allemand, allez. Philippe Lahm, yes. Philippe Lahm les gars, yes. On est content, on a Philippe Lahm. Moi je m'appelle pas Yomax, genre quand j'ai une animation je suis limite dégoûté, voilà. Alors les gars, je tourne cette fin de vidéo le lendemain après avoir fait le pack opening. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. En tout cas, j'essaierai de l'envoyer à une chaîne communautaire. Voilà, ce sera très rare que je fasse une vidéo de FIFA, voilà, sur cette chaîne qui est plutôt une chaîne destinée au foot IRL, si on peut dire, au football dans la réalité, voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, je me répète, mais encore, le gros big like qui fait plaisir. C'était une Real M7 et je vous dis ciao tout le monde.